Et voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un exercice de sophrologie qui s'appelle la cible. Déjà, dans un premier temps, on va commencer par faire 2-3 respirations ensemble. Je vous laisse vous installer tranquillement, debout, en face de moi. Et on va commencer. On inspire tranquillement. On contient quelques secondes son souffle et après on expire tranquillement. Ce que je vous suggère, c'est en inspirant, vous inspirez une belle énergie positive. Et à l'expiration, vous laissez libérer les émotions négatives que vous ressentez. C'est parti. Troisième fois. Comment vous sentez-vous? Quelles sont vos sensations au niveau de votre corps, au niveau de votre mental? Maintenant, on va passer à l'exercice de la cible. Vous allez essayer d'imaginer qu'en face de vous, vous avez une cible. Et la cible représente la situation, la personne ou autre chose qui vous procure ces émotions désagréables que vous ressentez en ce moment. Ensuite, après avoir imaginé mentalement la cible en face de vous, tant qu'à faire, imaginez la cible accrochée au mur, vous allez imaginer, il y a du vent qui se lève, imaginez une boule de la couleur que vous voulez, qui représente ces émotions négatives. Imaginez que toutes les émotions négatives que vous ressentez sont à l'intérieur de cette boule, de ce ballon, de la couleur que vous voulez. Et quand vous êtes prêt, vous inspirez, vous contenez votre souffle, vous vous préparez à lancer votre ballon sur la cible, et là, en expirant, vous balancez le ballon. On va le faire encore une fois. Le ballon, vous pouvez fermer les yeux, essayez de visualiser toutes ces émotions désagréables concernant la cible, l'événement, la personne. Vous avez toutes les émotions désagréables dans le ballon, de la couleur que vous voulez, vous inspirez. Préparez, contenez votre souffle et vous expirez en lâchant le ballon sur la cible. Essayez de faire cet exercice, je pense que je vous ai fait sourire, mais sachez que cet exercice est très efficace, d'ailleurs moi ça m'a fait du bien, j'ai envie de le faire avec vous. N'hésitez pas à le refaire comme vous voulez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !